mon péché me supplant. Près de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me supplant. Près de ta maison, Jacob, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi, aide-moi à quitter mon péché. Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, vite à mon aide. Seigneur, aide-moi, aide-moi à quitter mon péché. Qu'on parle tous les jours, à un moment donné, on a la langue fourchue. C'est comme si on n'a jamais utilisé cette langue-là. C'est comme si on ne l'a jamais parlé. C'est un peu mon cas ce soir. Vous sentez toute l'émotion. La circonstance, elle est toute particulière.
À un moment donné de notre vie, nous nous sommes levés et nous avons dit au revoir à nos parents, comme quoi nous venons en aventure. Beaucoup d'entre nous, ceux qui ont la chance, retournent au pays. Beaucoup d'entre nous, des fois, retournent, mais selon la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui fait tout, inerte, je dirais. C'est-à-dire décédé. Et vivre en aventure, c'est aussi se frotter avec nos frères et sœurs. C'est aussi vivre dans la communauté, de sorte à ce que quand quelque chose vous arrive, vous touche, ou directement ou indirectement, que cette communauté-là puisse s'élever et puis vous vienne en aide. Je disais tout à l'heure que nous sommes réunis ce soir pour une circonstance toute particulière. Nous sommes là, je n'ai pas envie de dire, pour célébrer la mort, mais nous sommes ici pour célébrer la vie. C'est vrai que nous avons une de nos sœurs qui a vécu avec nous, que le Seigneur a rappelé à ses côtés, mais c'est aussi la vie que nous allons célébrer ce soir. Et c'est dans cette optique-là que nous avons avec nous ce soir. Je vous ai dit tout à l'heure, généralement je parle beaucoup, mais ce soir, comme vous le constatez, je suis en train de me battre pour retrouver les mots nécessaires pour pouvoir m'exprimer. C'est ça l'émotion. Nous avons avec nous ce soir des hommes de Dieu. Je voudrais juste, avant d'appeler des hommes de Dieu, en l'occurrence tout le monde connaît ici, qui vont tout à l'heure venir prendre ce micro et puis demander au Seigneur de recevoir notre sœur Kwaku Adjoa dans son royaume. Ironie du sort, elle a le même nom que ma petite sœur Kwaku Adjoa. Donc, nous allons le faire. Mais sachez tout simplement que la vie que nous menons, c'est en fait la synthèse de deux contraires. Et ces deux vont ensemble. C'est le oui et le non. C'est l'homme et la femme. C'est le jour. C'est la nuit, bien sûr. C'est la vie et c'est la mort. Et sachez aussi que la mort est l'aboutissement de la vie que chacun de nous mène sur cette terre des hommes. Parce qu'à un moment donné, nous serons tous rappelés auprès de celui-là qui nous a amenés ici pour remplir une mission. Chacun de nous est venu sur cette terre pour une mission, pour remplir une mission. Et une fois qu'on aurait accompli notre mission, nous devons repartir auprès de celui-là même qui nous a envoyés et nous devons lui rendre compte. Et de temps en temps, nous faisons des écorchures. Ça fait partie ça fait partie du propre de l'homme. C'est pas ce que Dieu a voulu, mais ça fait partie du propre de l'homme. Et c'est pour ça que nous lui demandons à chaque fois de nous pardonner nos erreurs, les erreurs que nous commettons à chaque fois. Parce que c'est aussi ça, cette vie que nous menons. Je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés dans la salle, il y a un cahier qui est ouvert, si vous voulez, bien sûr, du fait de votre présence est déjà appréciée. Mais le geste que vous allez faire est encore et davantage apprécié. Parce qu'il nous faut réunir plus de $3,000 pour accompagner notre sœur à sa dernière demeure le jeudi. On me disait tout à l'heure que le reliquat est de $2,080. Donc ça veut dire que ce soir, au sorti de cette salle, ou bien d'ici mercredi soir, il faut que nous arrivions à réunir les $2,080, payer le funeral home et accompagner notre soeur à sa dernière demeure le jeudi. David et Mélanie, qui sont avec nous, certainement après les hommes de Dieu, ils vont faire des témoignages. Ce sont des témoignages, je vous dis, il faut avoir un cœur assez solide pour écouter ce que ces deux vont nous dire ce soir. J'ai déjà une idée de ce qui a été dit. On a rencontré David le dimanche dernier et dès qu'il a mis un point final à ses propos,
tout le monde a commencé à pleurer, tellement c'était émouvant. Alors, je vous préviens, ce ne serait pas facile ce que vous allez entendre, que ce que notre sœur a traversé. Mais c'est aussi nécessaire de partager avec vous parce que c'est une leçon. C'est-à-dire que quand chacun de nous va sortir de cette salle ce soir, il faut qu'on se dise que nous sommes venus en aventure et que nous devons être dans la société. Nous devons pouvoir nous frotter avec les autres. Nous ne devons pas nous mettre à l'écart de la société. Parce que la communauté ivoirienne, la communauté africaine, c'est nous qui faisons cette communauté. Alors j'espère qu'au sortir de cette salle ce soir, chacun de nous aurait tiré une leçon. Vous voyez votre frère, dites-lui bonjour. Vous voyez votre sœur, dites-lui bonjour. Même si vous ne voulez pas appartenir à des associations, mais faites-vous connaître dans la société. C'est très important. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais demander à mon frère Jérôme Kouassi, peut-être qu'il va m'inspirer quand je vais l'écouter. J'ai la langue complètement fourchue ce soir. C'est avec beaucoup de peine que je m'exprime parce que nous sommes là pour cette jeune dame. Regardez-la. Elle s'est levée un matin. Elle a dit au revoir à toute sa famille, à tous ses amis du quartier. Je m'en vais aux États-Unis. Qui savait qu'elle n'allait plus retourner en Côte d'Ivoire? Dieu seul le savait. Seul Dieu le savait. Peut-être même que dans son quartier, on a dû fêter pour elle. Elle s'en va aux États-Unis, c'était la joie, tout le monde s'est levé, ils ont fêté, beaucoup de personnes lui ont fait des cadeaux. Mais selon la volonté de Dieu, c'est ici qu'elle devait rester, puisqu'on va l'enterrer ici aux États-Unis. Mon frère. Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la paix du Dieu soit avec nous. C'est un honneur pour moi de m'associer à cet événement par le biais du pasteur Amisha qui a bien voulu que nous soyons ici ce soir. Et je voulais vous dire que ce moment qui nous réunit ici est vraiment un moment de deuil. Mais auquel la Bible nous associe à comprendre que c'est en même temps qu'un moment de réjouissance. Et parce que celle qui est partie, celle qui nous a dépassé d'un pas, n'est pas réellement partie, mais elle est entre les mains de celui-là même qui a permis à ce qu'elle soit vivante. Et je vous le dis, que comme la Bible le dit, pour celui donc qui vit, il vit pour Dieu, et pour celui qui meurt, il meurt pour Dieu. Et comme notre frère ici venait de le dire, les mots sont difficiles à exprimer. Et je voulais vous dire ce soir que je voulais d'abord chanter un chant à l'honneur de notre liste disparue. Je ne la connais pas. Mais déjà, quand j'ai vu la photo, l'image est beaucoup plus significative. Son visage dit beaucoup de choses. Et je pense que son visage essaie d'interpeller chacun d'entre nous ici pour faire parler de son grand cœur. Et quand vous fixez la photo, elle est toute souriante. Et telle qu'aujourd'hui, nous allons donc donner le grand de nos cœurs pour accompagner donc notre sœur dans sa dernière demeure, comme notre interlocuteur tout à l'heure l'a dit. Et serait seulement que le geste qui sortira réellement du fond de notre cœur. Parce que nous pouvons comprendre que c'est quelqu'un qui, ma foi, était pleinement dans la joie. Alors, je voulais donc chanter un petit morceau pour elle, pour lui dire ce soir, pour lui témoigner mon soutien. Son nom, c'est bien sûr Dorothée Adjoa Kwaku. Alors, Kwaku Adjoa. Ton père n'y sera pas, et ta mère également. Aucun de tes parents ne saura te moigner, et ce sera Christ et toi. Ton père n'y sera pas, ta mère également. Aucun de tes compagnons
et qu'aucun de tes camarades ne saura témoigner. Et ce sera Christ et toi. Merci bien-aimé. Et donc je voulais chanter cette chanson pour vous dire combien de fois et seul elle sera auprès du Christ. Et seul, comme la Bible dit, ce sont nos œuvres qui nous accompagnent. Et bien, nous avons aussi un droit d'intersection. Afin que nous prions pour cette dernière et que le Christ, dans son amour, qu'elle puisse reposer auprès du Saint Abraham. Alors, nous, tout à l'heure, nous étions dans un événement de réjouissance. Et quand on a appris qu'il fallait qu'on soit ici, j'ai dit au pasteur Michel que Dieu soit avec lui, que Dieu le bénisse tous les jours. Je lui ai dit, mais je ne savais pas qu'il y avait un événement de ce genre. Il a dit, mais si, viens. Et je vous le dis que je suis heureux d'être ici dans cette maison. Parce que la Bible aussi également nous le dit, il est bien d'être plutôt dans une maison de deuil que d'être dans une maison de réjouissance. Alors, ce pourquoi nous sommes là ce soir, bien-aimés en Christ, chacun d'entre nous, aujourd'hui, à l'heure de cet événement, de la servante à Dieu, nous serons donc un témoignage de demain pour ce que nous aurons à faire pour elle. Je ne vais pas être long, parce que aussi les mots me manquent. Et quand j'ai franchi déjà les portes de cette église, je vous dis que j'ai eu beaucoup mal. Et je pense que Dieu sera recueilli notre servante auprès d'elle. Alors, pour ce soir, je voulais donc dire merci à Dieu pour tout ce moment qu'il permet pour nous et qui sommes ici à cet événement-là. Et aussi, prier aussi pour la servante et dire que toute la grâce et l'onction du Père Abraham l'accueillent favorablement auprès de lui. Que Dieu bénisse l'Assemblée. La circonstance pour laquelle nous sommes ici ce soir. Pasteur Amisha, avec tout le respect que je te dois, je voudrais bien t'appeler à ce podium et avec tous les remerciements de cette assemblée. Merci bien, Pasteur. Merci bien. Alléluia. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ceux qui ont fait le déplacement ici ce soir pour venir soutenir notre chère sœur Kwaku Dorothée Adjoa. C'est vrai que c'est une situation douloureuse, mais je pense que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et c'est une occasion pour nous de nous retrouver ici et pour chacun de se poser la question. Si cela nous a dit, que se serait-il passé? Alléluia. Parce que ce qui est arrivé à notre sœur devait nous arriver à nous aussi. Nous savons tous que la mort est un incertain certain. Un incertain parce que nous ne savons pas quand est-ce que cela va arriver, mais certain parce que nous savons que cela va arriver. Nous ne savons pas les conditions. Cela est de la volonté de Dieu. Lorsque le frère Kwasi Germain parlait tout à l'heure, il a dit que notre soeur a été rappelée auprès de Dieu. Ce que je crois. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais j'aimerais vous dire aussi ce soir qu'il y a des gens qui sont rappelés, pas auprès de Dieu, mais auprès de Satan. Alléluia. Il y a des gens qui sont rappelés auprès de Satan. De la même façon que ceux qui ont servi Dieu sont rappelés auprès de Dieu. De la même façon que ceux qui n'ont pas servi Dieu sont rappelés auprès de Satan. Et c'est pour cela que nous, les hommes de Dieu, nous sommes là. Toujours pour vous rappeler cela. Parce que la Bible dit, dans ce que je considère le verset le plus important de la Bible,
dans Jean chapitre 3, verset 16, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais elle a dit, est-ce que je peux terminer cela? La vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Souvent, nous ne nous soucions pas de la brièveté de la vie. Mais voici un exemple devant nous. Comme le prophète Jérôme l'a dit, nous voyons que notre sœur est pleine de vie. Celui qui regarde ce sourire-là ne peut pas s'imaginer qu'elle pourrait partir à un âge vraiment si tôt. Mais les voies du Seigneur sont insondables. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout un chacun. Mais lorsque cela arrive, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, la mort, c'est la fin. Mais je vais vous dire ce soir que pour nous, la mort, c'est le commencement. Alléluia. La main des chemins. Dans Jean, à partir du verset du chapitre 14, il dit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne part au Père sans passer par moi. » Il n'a pas dit, « Je suis l'un des chemins. Je suis l'une des vérités. Je suis l'une des vies. » Il dit, « Je suis le chemin. » Ça veut dire, « C'est par moi qu'on passe. » Je suis la vérité et je suis la vie. Donc, frères et sœurs, ce soir, la mort de notre sœur Papou, Dorothée nous interpelle. Qu'est-ce que nous faisons de Jésus-Christ de Nazareth? Il revient encore pour dire dans le livre de Marc, à partir du chapitre 7, verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés à tenir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça fait toute la différence. On dit Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de nous que Jésus est venu. Maintenant que Jésus est venu pour nous, nous sommes en train de le rejeter encore. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Avant moi, il y a des hommes de Dieu qui sont passés. Je suis en train de parler, mon temps va passer. D'autres hommes de Dieu vont venir après moi, ils vont partir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque je lisais ce soir le livre de Genèse, qui est le premier, livre de la Bible, je me suis rendu compte que les derniers chapitres parlaient de la mort. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans le livre de la Genèse, le dernier verset, le dernier chapitre. On dit que lorsque le père de Joseph est décédé. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.